Céline Dion a annoncé, il y a peu, qu'elle était atteinte du syndrome de la personne raide. Sa récente intervention au cinéma est, de plus, un véritable échec. Pour autant, elle ne recevrait aucun soutien de la part de son fils aîné René Charles. La période est rude pour Céline Dion. La chanteuse de 55 ans enchaîne les pépins de santé depuis plusieurs années, annulant certaines dates de ci de là à contre-cœur. Désormais atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare, elle doit faire une croix sur sa tournée, son courage tour, alors qu'elle avait hâte de retrouver son public. En lieu et place, l'artiste doit prendre soin d'elle. Et elle ne bénéficie pas du soutien qu'elle aurait pu espérer, côté famille. Ses enfants, Céline Dion les a désirés si fort. La chanteuse a connu ce bonheur à l'aide de très longs parcours fives. Elle était, par exemple, tombée enceinte de ses jumeaux Nelson et Eddie, nés en octobre 2010. Au bout de 6 essais, elle était en réalité enceinte de triplé, mais la petite fille qu'elle attendait n'avait pas survécu. Hélas, il semblerait qu'elle s'éloigne de plus en plus de son aîné, René Charles. Pour la fête des mères, qui a eu lieu le 8 mai 2023 aux États-Unis, la veuve de René Angéline n'a tout simplement rien partagé sur les réseaux sociaux, elle qui adore habituellement publier divers portraits de famille. Elle s'est contentée d'évoquer la comédie romantique Love Again, sortie le 7 juin en France, dans laquelle elle tient son propre rôle. Elle s'est également chargée de la bande originale. René Charles aux abonnés absents, le film de Jim Struse, vivement critiqué par le public comme par la presse, met Céline Dion un brin dans l'embarras. Mais elle ne recevrait pas un mot d'encouragement de la part de René Charles, selon les informations du magazine Gala. L'absence d'empathie de ce dernier pour les déboires maternels semble confirmer les rumeurs, peut-on lire à propos du jeune homme de 22 ans, qui serait tout simplement aux abonnés absents. Il procurerait, en revanche, à sa mère de sérieuses inquiétudes. Héritant des addictions de son père, qui dépensait des sommes colossales au jeu, René Charles aurait été aperçu régulièrement dans des casinos du Nevada ces derniers temps en train de flamber son héritage. That's the way it is. Retrouvez toutes les informations sur Céline Dion et René Charles dans le magazine Gala, N degré 1565, du 8 juin 2023.